comment gagner ta vie. Ouais. Dans cette vidéo, la famille, je vais vous dévoiler mes 10 raisons panoutiques. Ouais, donc pour tous ceux qui ne le savent pas, donc permettez-moi d'abord de vous présenter d'abord Gedovi. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, donc Gedovi, ça c'est un artiste togolais rappeur. Ouais, donc c'est un artiste africain rappeur. Plus précisément l'Afrique de l'Ouest, donc le Togo, ouais, non. Voilà. Donc c'est un des meilleurs artistes de sa génération. Donc au Togo, il est l'un des meilleurs rappeurs. Pour ne pas dire même le meilleur de tous les rappeurs togolais actuellement même. Ouais. Donc le Gedovi, il a créé un mouvement qu'on appelle le mouvement BAM. Voilà, BAM. Donc tous ces fans, on les appelle BAM. Donc c'est pour cela que j'ai mis dans la vidéo, en tout cas le titre, dans la miniature, mes 10 raisons panoutiques. Donc j'ai accordé ça à BAM, panoutique. Donc maintenant tu as compris ça maintenant, non? Donc pour ceux qui n'ont pas compris, donc c'est ça. Donc dans la vidéo, je vais essayer un peu de vous montrer le pourquoi je suis Banou. Ouais. Donc sans plus tarder, voici mes 10 raisons banoutiques. Let's go. Numéro 1. Sa personnalité. Ouais, je répète, sa personnalité. Le pourquoi j'aime Gedovi, le numéro 1 là, c'est sa personnalité. Ouais, effectivement, Gedovi, je l'aime vraiment, effectivement, pour sa personnalité. Je l'apprécie, je l'adore pour sa personnalité. Ouais. Parce que le gars, c'est un gars d'abord simple. Ouais. Donc Gedovi, c'est un homme simple. Gedovi, c'est un homme stratège. Ouais. Gedovi, bon, exemple. Quand tu pars, tu circules comme ça, tu croises Gedovi comme ça, c'est facile de prendre une photo avec lui. Non, Gedovi n'est pas comme les autres artistes là, des fois qui font leur photo là, avant de prendre leur photo, ils font des manières là. Mais le gars, il est simple, partout, que ce soit dans la rue, dans les routes, comme quand sur les routes, lors des concerts comme ça, tu le croises, tu prends Gedovi, je veux une photo avec toi, c'est facile. Il est très simple, donc il est très sympa par rapport à ça. Donc c'est pour le côté. Donc c'est une des raisons pour lesquelles donc moi vraiment j'apprécie vraiment Gedovi. Ouais, également le gars il est stratège. Ouais non, par exemple, vous savez que le gars il est rappeur, non? Donc la manière dont il sort ses sons et dans ses calmes. Ouais non, j'aime ça également pour lui là. Cette personnalité là vraiment je l'adore effectivement. Donc c'est pour cela je veux que vraiment Dieu là n'a qu'à me bénir par rapport à ça. Donc ça c'est une bonne personnalité. Donc dans la vie là, il ne sert à rien, c'est trop compliqué. Simple là, tout passe. Ok. Numéro 2. Ouais, sa vision. Je dis bien sa vision. Bon non mais Gedovi, mais c'est un homme visionnaire. Ouais. Non, Gedovi, non, c'est un visionnaire. Non, tout cela. Maintenant, on est d'accord. Oh, le gars, non, vraiment, il est visionnaire. Non, franchement, je l'apprécie également par rapport à ça, quoi. Donc, effectivement, tout ce qui, par exemple, si on prend par exemple 2023, là, en 2023, tout ce que Gedovi a fait, là, depuis 2020, en tout cas, depuis janvier 2023, jusqu'à maintenant, là, mais c'est déjà écrit depuis, hein, c'est déjà dit depuis. Il a tout dit depuis, là, tu prends les pieds depuis. Il a tout prédit depuis, quoi. Ouais, non, dans la vie, là, il faut être visionnaire, il faut rêver grand. Ouais, non, je l'adore par rapport à ça également. Non, effectivement, non, je l'adore. Non, sa vision, vraiment, elle est clairvoyante, quoi. C'est clair, quoi. Non, le gars, non, c'est un prophète. C'est pour cela, lui-même, il s'est autoproclamé Nkunu Grégoire, le prophète. Ok, numéro 3, ses voyages à l'étranger. Guinée, Dubaï, Amérique. Ouais, effectivement. Non, Gedovi là, non, je l'adore. Pour cette raison également. Ses voyages à l'étranger. Guinée, Dubaï, Amérique. Ouais. Donc, dans ça, son récent son là, titré Ognia, il a dit ça dedans. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, pour aller. Écoutez ça. Guinée, Dubaï, Amérique. Ouais. Non, Gedovi, non, mais tu vois encore une fois, où est comment sa vision là, vraiment, ça colle. Avec ça là.
Mais il fut un temps, mais tout le monde attaquait Guétovi, que Guétovi n'a pas l'acte de naissance, il n'a pas les papiers, tout ça au début. Et effectivement, au début, c'est tout aussi on croyait à cela que, oh, Naoma. Guétovi, notre artiste là, qu'on aime tant là, il n'a pas ses papiers. Ouais, donc, comment maintenant va faire maintenant pour aller à l'étranger, pour prendre l'avion, pour faire un voyage, hein? C'est ça, au début, selon nous, il n'a pas de passeport. Mais... c'est de la blague, mais le gars, là, voilà, c'est d'abord. Mais c'est pas vrai. Il a le Guinée, les revues. De la blague, pas Dubaï. Mon gars, comme de la blague, mais. America. Chicago, nègre. Non, effectivement, le gars là, vachement, je l'adore. Effectivement, par rapport à ça, il tue, c'est moi, comme j'ai tourné. Ok. Numéro 4. L'accueil monumental, phénoménal. Triomphal de Guétovi de son retour aux USA. Ouais. Tout ça, on a vu. On a vécu. On a tous contemplé la manière dont ses fans nous ont réservé un accueil chaleureux. Non, ça vraiment, c'est du jamais vu au Togo. Mais j'ai un rappeur togolais qui a voyagé là. Il revient. On l'accueille de telle sorte, même. Les autorités même du pays là, mais ce n'est pas ça. Non, en tout cas, il fut le premier rappeur togolais à le faire quand même. Non, je me suis rappelé, en tout cas, je me rappelle vraiment de ce temps-là. Non, quelle foule. Mais Lomé, non. On dirait un président. Et effectivement, s'il est président aussi, non. Président de Bano. Non, chapeau à toi. Non, effectivement, je l'adore par rapport à ça également. Non, l'accueil là, non, il a écrit l'histoire. Non, Guétovi, non, tous mes respects. Encore une fois, mon Dieu, bénissez-moi comme Guétovi. Ok. Numéro 5. Leçon Nyasingbe. Ouais, je dis bien. Leçon Nyasingbe. Mais je ne parle pas du président, de notre président, son excellence Nyasingbe. Non. Guétovi, là. Mais, en tout cas, si tu ne sais pas, là, mais il a chanté un son latin très Nyasingbe. Non, effectivement, ce son là, c'est grâce à ce son, mais moi je les connais vraiment. En tout cas, vraiment, ça force de frappe. Non, sinon, entre temps, bon, Guétovi, en tout cas, je le sapais un peu. Sinon, moi, dans le temps, année 2010, 2011, 2010, moi, c'est les My Flames, les Pi, 2016, 2017, c'est les Picalouz. Mais quand j'ai écouté son, Pignasingbe là, non, je suis d'accord, non. Entre temps, il avait fait même l'audio, mais bon, moi, ce n'est pas ça. Mais c'est quand bon, son nom commence pas à être un peu populaire là, et il a fait le clip par rapport à Nyasingbe. Quand j'ai vu ce clip là, j'ai écouté le son, non, je suis d'accord. Non, ça, en tout cas, moi, c'est un de ses meilleurs sons. En tout cas, pour tous ceux qui ne sont pas encore, pour ceux qui n'ont pas encore écouté ce son ou regardé ce son là, il faut aller sur YouTube là, taper seulement Guétovi Nyasingbe. Non, vous allez voir le hip-hop même. Ouais, non, effectivement, non, le son là. Non, c'est un des sons. Non, Guétovi, non, je t'adore par rapport à ça. Le son là, non, je t'adore par rapport à ça. Et aussi par rapport à ta stratégie, quoi. Hein? Le jeu de ce son là, mais ça n'a pas atteint 50K dans le temps. Hein? Mais. Actuellement, le clip de ce son là, mais plus de 400K, je pense. Hein. Non, Guétovi, non, je t'adore par rapport à ça. Le son là, non, je l'aime beaucoup. Ah mon Dieu, bénissez-moi comme Guétovi. Ok. Numéro 6, ses voitures. Je dis bien ses voitures, je n'ai pas dit sa voiture. Mais la famille, n'oubliez pas, hein, mais à la fin là, je vous réserve un bonus. Après avoir dévoilé les 10 raisons là. Je vais vous réserver un bonus à la fin. Ah, c'est chaud là-bas même. Ok. Il dit c'est voiture. La famille. Je n'ai pas dit ça voiture. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui ne savent pas actuellement, Guétovi a deux voitures. Bon, en tout cas, c'est seulement récemment, mais j'ai appris même par rapport à la seconde voiture même. Sinon, quand Guétovi avait acquis sa première voiture, Tagafondi. C'est comme c'est de la marque Honda, je crois. On dit, mais le gars, vraiment, c'est un rêveur. Et effectivement, lui-même, il dit que c'est un de ses rêves. C'est ce genre de voiture-là. Tagant pour des voitures comme les Américains. Là. Effectivement, le gars, il a appris ça. Mais le gars, non, j'ai beaucoup apprécié ça.
Mais voilà, récemment, je le vois traîner encore dans une autre voiture. Mais la voiture, là, mais en tout cas, mais c'est la seconde, moi, en tout cas, moi, personnellement, c'est ça, moi, un de mes rêves, ça, quoi. Mais non, ça, là, c'est mon rêve. Mais c'est quoi, c'est qui, là, non? Façon, je dirais, Range Rover, je sais pas trop, quoi. Façon, quoi. C'est une grosse voiture, quoi. Sinon, moi, personnellement, seconde voiture, là, c'est ça, mais moi, j'aime ça, quoi. Si un jour, là, je vais payer, là, c'est ça, mais j'ai tombé, là, je t'adore. Voilà, nous tout ça actuellement, nous pensons, peut-être on nous pensons avoir une seule là. On n'a pas encore acquis ça, tu vois. Tu es allé jusqu'à deux voitures. Mon Dieu, déguisez-moi comme ghetto. Non les gars, non, j'ai aimé. Alors c'est juste ça, une belle voiture là, non vraiment. C'est propre quoi. C'est quoi, c'est de la maquille, non. Ghetto vie. Non, tu es quelqu'un. Ok. Numéro 7. Ces vidéos TikTok. Ouais. Mais avant cela, voilà, par rapport au précédent là, numéro 6, là, cette voiture là, donc tout sera fait autre côté. Il fut un temps là, mais ce ghetto vie, on l'attaquait sur la toile que bon, ils n'ont même pas quoi, ils traînaient avec une moto là. Entre temps que la moto même arrivait, on m'a donné le carburant, est fini, il pousse ça là, on moquait de lui, que mais c'est quel rappeur ça, lui avec son bras droit là. Son cantan là, il ratine là, mais on se moquait de lui. Mais voilà actuellement le gars a eu deux voitures actuellement, vous voyez, donc là c'est entre parenthèses. Donc revenons maintenant numéro 7 là. C'est vidéo TikTok. La famille, comme vous le savez, mais Ghetto V c'est un grand TikToker. Ouais. Ah ben personnellement, non, j'adore vraiment ces vidéos TikTok. Moi des fois comme ça là, si je veux me divertir un peu, je veux me distraire un peu là, TikTok directement. Quand je tape, quand je vais dans TikTok là, je tape seulement Ghetto V. En tout cas, comme en tout cas pour TikTok là, il a plusieurs comptes. Il y a Yesupanu, il y a Huno Kito, quoi là, je sais pas, Nkunu Grégoire, en tout cas, c'est vous-même, en tout cas, moi souvent c'est là, moi je vais. Ah non, je rigole bien, même ça me plaît beaucoup. Non, il me met vraiment en tas, les gars. Non, j'adore vraiment ces vidéos TikTok. Si des fois je m'ennuie comme ça là, vidéo TikTok là, je tape seulement ça. Le gars vraiment il me met vraiment dans ma peau quoi. Non, il t'apprécie. Non, il ne blague pas. Ghetto, qui es-tu? Eh mon Dieu, finissez-moi comme ghetto. Numéro 8. Sa nomination au Zara. Mais avant ça, j'allais oublier par rapport au précédent, le numéro 7 là. C'est vidéo TikTok là. Mais il y a un temps, on se moquait également de Ghetto, oui. Comment un artiste, un rappeur peut traîner comme ça sur TikTok comme ça. Je me rappelle même les artistes rappeurs comme les My Flames, les Picalouzi, les Pubé comme ça. Ils se moquaient. Mais actuellement, ils tous maintenant, ils sont sur TikTok là-bas. Depuis là, ils n'ont pas vite compris ça. Mais Ghetto Villa a vite compris ça. Et TikTok là, vraiment, c'est une plateforme prometteuse. Effectivement, actuellement, tout cela, ils sont là-bas. C'est pas ça que tu as mes gens qui font mes live. Tapoter l'écran, tapoter, envoyer l'argent. Pourtant, Ghetto V ne fait pas ça. Mais oui, c'est ça. On voit un peu, non. Ok, maintenant, numéro 8, là. Sa nomination au Zara. au Zara. En tout cas, pour ceux qui ne comprennent pas Ara, là. Donc, Ara, ça veut dire African Rap Awards. Donc je sais que vous êtes au courant, non? Récemment il a été nominé au Zara. En tout cas, il est le premier rappeur togolais, si j'ai une bonne mémoire, qui fut nominé comme ça à l'international. Sinon depuis là, vous savez, les gens moquaient de Ghetto V. Mais pourquoi Ghetto V ne chante pas en français, en anglais, quoi, mais comme ça là, comment sa musique peut aller à l'extérieur? Mais pourtant, voilà actuellement. Voilà, on l'a nommé. On l'a nommé au Zara, le gars. Non, vraiment, le gars, mais Ghetto V, non, tu es bon. Si je prends par exemple l'année passée, là, je prends au Togo, là. Le manuel passé, là. Les trophées que Ghetto V doit récolter, devait récolter l'année passée, là. C'est celui qui sait, quoi. Mais pourtant, ça a été annulé. Mais ils ont annulé la haute.
vous avez, comme dit l'année passée. En tout cas, moi, je ne sais pas la raison pour laquelle, mais quand même, je sais que l'année passée, là, c'est que c'était organisé. Là. Mais Guetovi va embrasser plus de 4 trucs comme ça là-bas, même. Ouais, non, les gars, encore une fois, mon Dieu, bénissez-moi comme Guetovi. Okay. Numéro 9, son combat. Ouais, son combat dans le showbiz. La famille, non, Guetovi, c'est un combattant. Le gars là, c'est un combattant. Mais Guetovi, c'est un artiste engagé. Ouais, ouais. Il dénonce les choses. En tout cas, moi, c'est grâce à Guetovi que j'ai bien compris le showbiz. J'ai bien compris comment vraiment le showbiz là, ça marche. Grâce à Guetovi, moi, j'ai compris comment le showbiz là, ça fonctionne. Que ce soit les réalisateurs, les producteurs, les CM, les blogueurs, tout ça là. Mais c'est grâce à Guetovi. Sinon, en temps là, moi, je ne connaissais rien par rapport à ça. Parce que comme vous le savez, il fut un temps, mais Guetovi a été boycotté depuis. Ouais, donc Guetovi a été beaucoup boycotté. Sinon, mais Guetovi serait populaire là, mais c'est depuis. Hein. Mais comme ils ont su que, ah, le gars là, vraiment, c'est un génie là. Ils ont fait tout possible pour l'éteindre. Mais ils n'ont pas pu. Vous voyez, non? Effectivement, ils n'ont pas pu. Encore une fois, moi, c'est grâce à Guetovi là, franchement, moi, j'ai compris. Oh non, effectivement le gars il a combattu le bon combat comme on le dit. Mais il ne s'est jamais baissé les bras. Et voilà maintenant actuellement il est au top niveau. Oui. Donc il a dénoncé les gens, il nous a fait montrer vraiment qui sont les mauvais, qui sont les bons. Bon en tout cas, encore une fois moi c'est grâce à Guetovi là. Moi j'ai compris beaucoup de choses. Guetovi, non, Dieu, bénissez-moi comme Guetovi. Et numéro 10, sa nouvelle villa. Je dis bien sa nouvelle villa. Pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, Guetovi est dans une nouvelle villa. Ok, donc il fut un temps là, bon, Guetovi, en tout cas souvent quand il tournait ses vidéos, moi je suivais sur TikTok là, il était dans une autre quand même maison, je voyais une couleur jaune comme ça, mais récemment, en tout cas si tu n'as pas encore vu là, mais il faut aller fouiller sur sa page TikTok, tu verras vraiment sa nouvelle villa. En tout cas, je ne sais pas si il a construit, il a loué, hein. Mais dans tout le cas, c'est une évolution. Là où il était avant, là. Ce n'est pas là encore, il est encore actuellement, non, il a évolué. Mais j'ai vu la vidéo, mais il a gardé sa voiture quelque part, il est dans rouge, de toute façon, quoi. Il a pris rouge façon, choix de façon, mais il a montré juste une partie de la maison, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cela, encore une fois. Je ne sais pas s'il a payé ça ou il a loué, mais dans tous les cas, c'est une évolution. Eh mon Dieu, bénissez-moi comme Guetovi là. Bon, et la famille, comme promis, donc je vous ai promis un bonus, non? Ok. Voici donc le bonus là. Après mes 10 raisons banotiques là, voici maintenant le bonus. Sa team GMG RBT Uni. Ah, tu n'as pas compris. Ah, sa team GMG RBT Uni. Souvent, comme on le dit, seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Ouais, effectivement, ça a été aussi une des forces du Guetovi. Donc, il a très vite su mettre en place son équipe là, quoi. GMG RBT Uni. Non, surtout si je peux citer ces éléments là. Il y a les gens comme des éléments comme Achille Mana. Ouais. Achille Mana. Il y a les gens comme également Negakponzi, Dance Hall. Ouais. Negakponzi. Combattre l'animal. Ouais. En tout cas. Surtout dans les titres comme les Pujingo là, c'est là même j'ai encore commis les forces de frappe de ces éléments là. Ouais. Bronwezi et console là, non, effectivement, le gars il a su. Ça oublie vraiment, Ratine et écriture, lui là c'est depuis même. Non, la famille c'est comme ça, si vraiment vous voulez vite évoluer là, mais il faut vraiment choisir les bonnes personnes quoi, avec qui entièrement vous entourez quoi. Comme ça tu vas vite évoluer. Le voici maintenant, le gars mais là, il est au top. Non, Guetovi, non, je t'adore. Encore une fois, mon Dieu, bénissez-moi comme Guetovi. Bon, la famille, nous voici comme ça à la fin de notre magnifique vidéo, de cette magnifique vidéo.
Ah ouais, donc si vous avez vraiment apprécié ma vidéo, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à s'abonner, voilà, à activer la cloche de notification pour ne craindre jamais rater aucune de mes prochaines vidéos. Mais il faut liker, c'est ça l'essentiel. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, cette chaîne, c'est une chaîne exclusivement pour le secteur agricole. Ouais, ouais, donc c'est une chaîne agricole. Donc, mais ça ne me prive pas des fois de parler vraiment de mes convictions, de ce que j'aime également. Vous voyez, non, c'est une chaîne agricole. Donc ici là, si vraiment vous voulez acquérir les bonnes connaissances, les bonnes pratiques agricoles, là, c'est également sur la bonne chaîne ici, comme vous voyez, non, également il est dans les divers, des fois je fais sur les divers, comme cette vidéo spécialement, vous voyez, non, donc encore une fois sur cette chaîne, nous parlons de l'agriculture, de l'élevage, de l'investissement, du développement, bref, de l'agro-business, donc vous voyez un peu, non, donc si vraiment vous voulez vite, vous voulez vite évoluer, donc vous voulez entreprendre, vous vite évoluer, vous voulez améliorer vos finances en s'appuyant sur le secteur agricole, vous voulez une valeur ajoutée dans votre vie là, tout se passe sur cette chaîne, c'est sur la bonne chaîne. Donc, encore une fois les gars, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.